Qu'est-ce qui s'est passé ici ce soir? Qu'est-ce que vous savez? Il s'est passé qu'on a entendu les pompiers à 9h et on a été informé qu'il y avait le feu et qu'il y avait plusieurs voitures de pompiers. Et au bout d'une heure, le sous-directeur est venu nous dire qu'il y avait eu le feu au deuxième étage et que tout était sécurisé. Voilà. Quand vous avez vu les pompiers, vous avez eu peur? C'était quoi votre sentiment? Oui, on a peur quand on voit les pompiers arriver, oui. C'est surtout qu'on est complètement reculé, même les familles sont mises en dehors du périmètre, on nous demande de reculer, de laisser les pompiers travailler et on n'a aucune information, il a fallu attendre pratiquement une heure pour avoir une information précise. Voilà. Vous avez votre frère qui est dans l'EHPAD, c'est ça? Oui, quelqu'un de ma famille qui est dans l'EHPAD, oui. Mais il va bien, il a été évacué? Oui, non, il n'est pas bien, il n'a pas été évacué. Il reste dans l'EHPAD? Oui. Et là, quand vous voyez tous les pompiers, tout ça autour de vous, comment vous avez peur, comment ça s'est passé? Ah non, une fois que les pompiers sont là, on est rassurés, parce que là, ça a vraiment été un déploiement quand même très très rapide. Hein. C'est en un quart d'heure de temps, on voit que tous les plans sont faits, tout est fait, tout est opérationnel. Hein. Bonsoir. Donc pour les journalistes et pour le point presse, ce sera l'endroit. Mais c'est parfaitement reçu. Vous voyez des gens qui se font des c'est le Vous habitez le quartier, vous avez été évacué de chez vous, c'est ça? Comment ça s'est passé? En fait, il y a quelqu'un qui nous a dit que de sortir de notre immeuble, c'est pour ça qu'on est descendu. C'était vers quelle heure? Vers 21h30. D'accord. Et vous avez vu ce qui s'est passé? C'était quoi à ce moment-là? Je vois pas trop, mais bon, il y a des bruits qui disent « descend » parce qu'il y a du feu. Et c'est tout. Vous avez eu peur à ce moment-là? Oui. On est descendu de l'escalier, on a frôlé les pieds.
En fait, il y a trop de, il y a beaucoup de pompiers qui arrivent et c'est pour ça qu'on est, on a peur de voir ça. Monsieur, vous, vous habitez le quartier. Qu'est-ce que vous, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu juste de la fumée qui sortait de la fenêtre et les pompiers qui sont arrivés. Ils ont branché l'eau et tout. Et après, bon, bah, et, ils ont commencé à arriver, toutes les voitures, les ambulances et tout ça. Mais je sais qu'au premier et deuxième étage, il y a des personnes âgées. Et c'est ça le problème, parce que les personnes âgées, bon, elles sont fragiles. Et il y en avait même qui ont tombé dans les pommes. Mais bon, bah, après, bon, tout le monde est venu. Ils ont encerclé la rue. On n'a plus rien vu. Ils ont tout caché. Ça, ça a duré longtemps, tout ça? Comment ça s'est passé? Non, environ un quart d'heure, 20 minutes. Après, ils ont éteint. Mais le problème, c'est que les personnes elles étaient déjà un peu intoxiquées avec, avec la fumée, quoi. C'est ça le problème. Comme c'était fermé, les personnes âgées, ils n'ouvrent pas trop les fenêtres. Et la fumée, elle, ça a un peu accumulé à l'intérieur. Et c'est ça le problème. C'est pour ça qu'ils sont là. Ils ont... ouais. La fumée, elle était comment? Quelle couleur? C'était gros? Un peu noir, oui, un peu noir. Un peu, c'est de la fumée, un peu... bon, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a... Je peux pas vous expliquer parce que je sais pas qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. C'était impressionnant, la fumée, c'était gros, ça sortait de des fenêtres. Expliquez-moi comment vous avez vu. Non, mais c'était pas gros, hein. C'était, bon, de la fumée, mais... ça, c'est un vite fait. Le problème, c'est que les gens, bon, ils étaient à l'intérieur. Et, ouais. Il n'y avait pas trop de fumée, hein, non. Les pompiers sont arrivés rapidement? Ah, rapidement, oui. Il y a ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Deux ou trois minutes, ils étaient là. Hein. Ah, ils ont installé tout de suite. Il y a une équipe qui est montée tout de suite, là, en bas. Il y a une autre qui s'est installée ici, avec toutes les... les appareils, l'eau et tout ça. Les personnes âgées, vous avez vu les personnes âgées, comment c'était? Elles sont encore là. Les personnes âgées, elles sont encore installées là. Dans le... Quand je cherche par les secours, vous m'avez dit que vous n'avez vu qu'ils étaient intoxiqués, c'est ça? Ah, parce qu'il y a deux ou trois qui sont partis dans l'ambulance. Ils n'étaient pas bien. Mais bon, je ne sais pas, ils sont partis peut-être à l'hôpital. Hein. Mais... vous avez compris ce qui s'est passé tout de suite? Vous avez eu peur? Ah, nous, en habitant en face, c'est sûr qu'on a un peu peur. Hein. Mais bon, bah. Tout s'est bien passé parce qu'ils ont, bouclé le site en vitesse. Et bon, bah, tout est, je pense que tout est réglé. Hein. Il n'y a pas de mort. Bah en fait, il y a tous les sapeurs-pompiers qui sont arrivés. Et donc, on a vu le restaurant a été réquisitionné. Donc, toutes les personnes âgées sont arrivées en fauteuil roulant, ont été installées dans le restaurant et aux terrasses. Voilà, sachant que bah, le feu, il y a eu un feu, je crois, qui a démarré dans une chambre. Non, pas du tout, on nous l'a dit. Et donc voilà. Mais simplement, c'est vrai que malheureusement, dans ces maisons de retraite, le soir, il y a très peu de personnel. Est-ce que sur les faits, vous pouvez nous dire, c'était quoi le début de soirée? Moi, j'étais là, ils sont arrivés vers 10h, chose comme ça, entre 9h30 et 10h. Hein. Oui. Et donc les personnes âgées sont arrivées après au fur et à mesure, une bonne demi-heure après. Là, il y en a, je sais pas, il doit y en avoir peut-être 25-30, dont certaines personnes, je crois, sont parties aussi à l'hôpital. Voilà, quoi, donc... Une trentaine de personnes âgées dans le café. Dans le café, oui, dans le café, donc voilà, on les a aidés. Évidemment, tout le SAMU, en fait, toutes les personnes étaient là pour s'occuper d'elles. C'était quoi justement l'atmosphère dans le café? Comment elles étaient? Ah non, très sereine. Non, les gens sont très sereins. Non, il n'y a pas du tout d'affolement. Non, absolument pas. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai, ce qui est très regrettable, c'est que malheureusement, c'est vrai qu'on parle beaucoup des EHPAD actuellement. Et ce qui est très regrettable, c'est que la nuit, il y a très peu de soignants. Il y a un soignant pour... je sais pas combien de résidents. Là, je crois que c'est Orpea d'ailleurs, qui sont des résidents qui sont très luxueux et très chers. Et malheureusement, la nuit, voilà,
Il y a très peu de personnel, il y a 2 personnes maximum. Vous avez vu les flammes, la fumée ? Non, j'ai absolument rien vu. Non, absolument rien. Et je pense que ce qui est formidable, c'est que les pompiers sont arrivés extrêmement vite. Donc je pense qu'ils ont éteint le début d'incendie très rapidement. Et ça, heureusement, parce que sinon, les conséquences auraient pu être dramatiques. Les personnes dans le café, elles étaient intoxiquées. Comment ça s'est passé ? Non, parce que les personnes apparemment les plus mal en point sont parties directement à l'hôpital. Donc en fait, toutes les personnes qui ont été rapatriées dans le café, c'était des personnes qui n'allaient pas trop mal, si vous voulez. Et, bon, tout de suite, on aura pris leur tension. Enfin, je veux dire, les choses ont été faites pour qu'elles soient, en tout cas, pas perdues. Donc, elle n'était pas paniquée ? Non, pas du tout. Aucune panique. Mais vous savez, parmi ces personnes, il y a des gens qui ont Alzheimer et qui ont des... Donc, ils ne se rendent pas non plus compte exactement de ce qui... Vous étiez dans le quartier par hasard Non, je viens souvent là, dîner. Enfin... Vous étiez dans le quartier au moment des faits. Ah, vous avez été impressionné, vous avez eu peur. Comment ça s'est passé ? Ah non, pas du tout. Ah non, parce que justement, au début, c'était... Enfin, on a vu effectivement énormément de... un déploiement énorme. Et donc, on s'est dit, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas de fumée du tout. Il n'y a aucune fumée ni d'odeur d'incendie. Donc, et puis après, effectivement, on nous a dit non, il y a un début d'incendie dans la maison de retraite. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des déploiements si importants, SAMU, pompiers, pour secourir les personnes âgées. Parce qu'il y en a qui, malheureusement, sont complètement immobiles, quoi, qui ne peuvent absolument pas marcher, qui ne peuvent pas sortir de se lever. Mais le point sur lequel j'insiste, c'est le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de surveillance la nuit. Ah, il m'a caché. Madame le maire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet incendie qui a eu lieu justement dans le 16e arrondissement ? L'incendie s'est déclaré vers 21h20 dans un EHPAD donc rue de la Source dans le 16e arrondissement. Au moment où je vous parle, mais a priori c'est définitif, il y a un décédé, un homme de 100 ans, et 2 urgences absolues. Une femme de 96 ans et une autre de 88 ans. Et il y a 4 urgences relatives, dont un pompier. La totalité va être réintégrée, sauf le deuxième étage, là où est parti l'incendie. Et les 14 qui étaient au second étage, enfin à peu près plus ou moins 14, sont dirigés vers un EHPAD à Neuilly et, pour certains blessés légers, vers l'hôpital Ambroise Paré. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet EHPAD ? Est-ce qu'il semblait... Rien, c'est un super EHPAD, très moderne. A priori, c'est une cigarette qui a mis le feu. Voilà, ce sont des personnes dépendantes, très très âgées. Une cigarette A priori, oui, les techniciens sont sur place, mais a priori, ça serait parti d'une autre chambre que celle où la personne est décédée et une cigarette, oui. Est-ce qu'on a le nom de cet EHPAD ? Les terrasses de Mozart. Absolument, oui. 13 rue de la Source. Terrasse de Mozart. Qu'est-ce qui va se passer là ce soir ? Le quartier est bouclé là, oui, mais enfin ça se termine là. On attend que les techniciens fassent tous les relevés à l'intérieur. Les familles sont là pour réconforter ceux qui réintègrent, parce que vous imaginez que c'est déjà très traumatisant pour des gens plus jeunes, mais pour eux c'est encore plus traumatisant. Voilà. Mais ça aurait pu être catastrophique. Le personnel a été exceptionnel, le personnel de l'EHPAD, vraiment. Très calme, très organisé. On a frôlé la catastrophe. Demain, la bonne nuit, non ? Bien alors, ce soir, vers 21h20, un feu s'est déclaré dans une maison de retraite médicalisée, au 2e étage d'un bâtiment R+4. À notre arrivée, le feu se situe dans une chambre d'un résident. Le feu est resté localisé dans la chambre, mais les fumées, elles, se sont répandues dans le couloir juste qui jouxte cette chambre. Le bilan, à l'heure où je vous parle, est lourd, puisqu'il fait état d'un homme de 100 ans décédé, de 2 femmes qui sont dans un état grave, dont une un pronostic vital engagé, 96 ans, et la deuxième femme dans un état grave à 88 ans. Également, 3 personnes sont dans un état léger, toujours intoxiquées par les fumées, évidemment, mais dans un état léger. 2 d'entre elles. Pour la troisième, c'est un sapeur-pompier de Paris qui s'est blessé en portant secours. Voilà. Donc, les moyens de secours de l'établissement ont particulièrement bien fonctionné.
Le désenfumage mécanique, les portes coupe-feu, l'alarme incendie, etc. Tout ça, ça a particulièrement bien fonctionné. Heureusement, puisque le bilan aurait été certainement beaucoup plus lourd, malheureusement. Quels ont été les moyens engagés ? Alors, pour l'instant, nous avons 156 sapeurs-pompiers qui sont engagés, qui ont été engagés, puisque nous sommes vers la fin d'intervention. Donc, au fur et à mesure, les gens retournent dans leur caserne. Une vingtaine de centres de secours, à peu près, qui ont été mobilisés ce soir. Sur les causes de cette incendie. Non, pour l'instant, nous ne savons pas ce qui s'est passé. Le laboratoire central de la préfecture de police de Paris est sur les lieux, procède aux investigations d'usage et nous en saurons plus dès que l'enquête sera bien sûr terminée. Le feu par lui-même a été très vite résolu puisque ça se situait dans une chambre. C'est les fumées qui ont été le plus difficile à évacuer, voilà. Le plus dur à évacuer. Maintenant, ce que l'on est en train de faire, c'est de passer dans chaque chambre pour voir s'il n'y a pas de traces de monoxyde de carbone. Voilà. Les victimes ont été intoxiquées par les fumées, dont une, et ce sont des fumées. Les fumées sont meurtrières, bien évidemment. Il y a des blessés légers ? Trois blessés légers, deux d'entre elles qui ont été intoxiquées par les fumées, et un sapeur-pompier de Paris qui a été, lui, blessé en se rendant sur intervention et en portant secours. Une terrasse a été réquisitionnée pour pratiquer le geste de premier secours. Une terrasse, c'est-à-dire ? Ah oui, pardon, oui. Donc de nombreuses personnes se sont évacuées d'elles-mêmes avant notre arrivée et se sont effectivement retrouvées dans une terrasse à proximité. Voilà. Au fur et à mesure, elles sont vues par un médecin qui juge bon ou pas de l'hospitaliser, mais pour l'instant, elles regagnent gentiment leur chambre. Voilà. Oui, il sera certainement un dispositif ce soir pour la surveillance de l'établissement, bien évidemment. Jusqu'à demain matin, au moins, pour après lever le dispositif. Merci. C'est ma nouvelle chef de bureau. Bonjour. Romain. Vous, comment est-ce que vous avez appris ce qui s'était passé et jusqu'à l'accueil des personnes âgées ? Ça s'est passé, comment on va dire, assez rapidement en fait. C'est juste qu'on a vu plein de camions de pompiers arriver. On a vu aussi des personnes sortir paniquées de la résidence. Et c'est là où on a compris qu'il y avait du feu, parce qu'on a senti aussi un petit peu l'odeur du feu. Et comment dire, j'ai pas hésité une seule seconde avec mon équipe. Bah, les pompiers sont venus nous voir pour lui dire qu'ils avaient peut-être besoin du restaurant et des chaises. Donc j'ai mis à disposition les chaises et le restaurant sans me poser de questions. Quoi, voilà. Naturellement, voilà. Qu'est-ce que c'est, comment ça s'est passé d'ailleurs? Vous aviez combien de personnes là dans l'établissement? En plus, c'était un dimanche donc assez calme, donc on a pu faire de la passe on va dire assez facilement dans le restaurant. Donc on a sorti les tables dehors, on a mis les chaises à disposition de tout le monde. On n'était que trois et puis je tiens à remercier mon équipe parce que aucun n'a paniqué et tout le monde s'est mis au diapason pour aider tout le monde. Voilà. Justement, vous aviez combien de personnes à accueillir ici? Vous avez eu 20, 15, 30 personnes? Non, on a eu. Là, on a dû accueillir, je pense, une cinquantaine, une soixantaine de personnes.
Donc on avait des gens à l'intérieur et des gens à l'extérieur. Donc comme je vous ai dit, on a mis en sorte que le restaurant soit, comment dire, un refuge. Un refuge, et puis que les gens puissent accéder facilement dans le restaurant, voilà. D'accord. Et ça s'est passé comment? Est-ce que les personnes âgées, vous aviez l'impression, vous me disiez tout à l'heure, un peu paniqué Bah, ce qui est bizarre, c'est qu'on en connaît certains, pour les servir en plus le week-end. Donc il y en a qui n'étaient pas forcément paniqués, d'autres oui, mais ils ont été pris en charge assez rapidement, donc on leur a donné de l'eau rapidement, donc il n'y avait pas de problème. Moi, j'ai pas vu de personnes paniquées, voilà. Vous dites que vous en connaissez certains, ça doit faire... bizarre aussi de voir ça juste à côté de... ça fait bizarre justement comment je sais pas comment dire mais on a vu qu'ils allaient bien quoi donc on les reverra sûrement bientôt. Ouais, ça voilà. Rassure un peu. Ouais, ça rassure un peu, ouais. Et écoute, moi je pense que je suis un peu fatigué. Non, mais il n'y a pas de problème. Puis, ouais, voilà, je suis pas sous le choc du tout parce que franchement c'est enfin C'était notre devoir de les accueillir et surtout les pompiers nous ont vraiment demandé tout de suite de faire de la place. Donc voilà, c'est juste la fatigue qui part. Alors d'ailleurs, juste, est-ce qu'il y a eu des premiers soins en fait effectués ici? Est-ce qu'il y avait besoin parfois peut-être J'ai pas fait attention, on nous a juste demandé de mettre à disposition plein de verres d'eau. Voilà, après, on a fait en sorte de s'occuper du mieux possible de tout le monde. En tout cas, c'était pas là, ça aurait prévu. Non, pas du tout, même. Pas du tout. Entendu. Ah, ouais, bah, je sais, pas texte. Vous avez votre mère qui est dans cet EHPAD. Comment vous avez appris ce qui s'est passé? Alors j'ai reçu un coup de téléphone de mon frère qui est dans le sud de la France et qui regardait la télé BFM en l'occurrence. Il a eu l'information, donc il m'a téléphoné puisque moi je me trouvais à Paris. Et j'ai pu, grâce à mon neveu, se déplacer très rapidement, venir ici et se rendre compte que les pompiers avaient très bien travaillé puisqu'ils ont créé un foyer de personnes âgées qu'ils ont déplacées sur un restaurant qui était en face. Et puis créer un pool d'ambulance pour déplacer toutes les personnes âgées et les mettre dans une autre EHPAD. Par contre, on a pu monter au deuxième étage là où le feu a pris et c'est vraiment très très dégradé. Et heureusement que les pompiers sont intervenus rapidement parce qu'il y aurait eu probablement beaucoup plus de gens décédés. Votre mère, elle a été évacuée, c'est ça? Elle a été évacuée dans un premier temps par les aides-soignantes qui les ont mises derrière les portes coupe-feu et ensuite les pompiers les ont prises en charge et les ont descendues à la main. Donc les pompiers, heureusement qu'ils existent, ils font un travail extraordinaire. Pourtant, c'est des costauds et on les a vus là après l'incendie, ils sont vraiment fatigués et stressés. Vous êtes dans quel état d'esprit là? Vous étiez inquiet? Écoutez, on est rassurés parce que notre mère est en vie, donc c'est parfait. Mais par contre, on se rend compte que heureusement qu'on est en France, que les secours sont bien organisés. Il faut remercier les pompiers qui font un travail extraordinaire. Et on est désolé pour les personnes qui sont blessées, pour les personnes décédées. Mais vraiment, merci à eux. Et bravo. Votre mère, elle était dans la chambre d'en face qui a pris feu. Donc c'est une chance incroyable et heureusement les services des terrasses de Mozart ont bien fait leur travail. Ils l'ont évacuée parce que ma mère ne peut pas se déplacer. Donc elle a été tirée par les bras pour se mettre derrière les portes coupe-feu. Donc un peu, mais c'est rien, elle est en vie, donc il n'y a aucun problème. Donc c'est important que si le peu que je dise là
soit diffusé. Merci aux pompiers. Et je ne comprends pas que des gens puissent caillasser des gens qui sauvent des vies. Donc ça, c'est scandaleux. Il faut arrêter tout de suite. Parce que aller voir la tête des pompiers, dans quel état ils sont après être intervenus, chapeau. Et moi, je suis médecin spécialiste et je les remercie vraiment de ce qu'ils font. Et vous aussi, la presse, parce que grâce à BFM, je le dis, on a pu voir ma mère qui était dans ce restaurant, qui était en vie. Alors, je ne sais pas dans quelle presse vous travaillez, mais merci à vous. Vous avez pu voir le deuxième étage, à quoi ça ressemblait, décrivez-nous. C'est une catastrophe, c'est un étage d'hôtel qui est complètement brûlé, complètement dévasté. La moquette est noircie, il n'y a plus de lumière, c'est un trou noir. Donc, on se demande comment il n'y a pas eu plus de victimes. Impressionnant, oui et non. Oui, parce que c'est très détruit. Non, parce qu'il y avait pas. Heureusement, les personnes qui étaient en danger ont été évacuées. La chambre de votre mère a été touchée ? Ben oui, parce qu'elle est en face de celle qui a brûlé et elle est complètement dévastée. On a pu retrouver une paire de lunettes. Je vous montre l'état des lunettes qui sont dans ma poche. Et c'est la seule chose que le pompier a pu sauver. Donc, vous voyez dans quel état c'est. Tout le reste Tout le reste, ben, il n'y a plus rien. Voilà. Vous avez pu parler avec votre mère ? Oui, oui, elle était dans l'ambulance, très bien prise en charge par les secours, et puis elle va bien. Voilà. Elle va aller, je crois, dans une dépendance de cette même organisme à Neuilly. Mais bon, moi, nous, on s'en sort bien. Il y a des gens, je pense vraiment aux gens qui sont... Il y a une personne morte, je crois, deux personnes qui vont pas bien, donc c'est plus important de penser à ces gens-là qu'à ceux qui s'en sortent bien. J'imagine l'inquiétude que vous avez dû avoir... Ben pendant un quart d'heure, tant que vous ne savez pas si votre mère est en vie ou pas. C'est une... Et puis après, bon, les informations passent très vite quand même, hein, grâce à la presse et puis à la police aussi. Donc voilà. Elle a quel âge, votre maman ? 93. D'accord. Bonsoir. Ben, le message, c'est il ne faut pas y toucher, c'est des gens extraordinaires. Nous, on a été un lieu d'accueil, un lieu d'accueil pour que les personnes puissent se sentir un peu plus en sécurité, un peu les laisser un peu plus confiantes. On a essayé d'allumer la télé, il y a eu un peu de musique, on a distribué un peu des verres d'eau, il y a plein de gens qui ont parlé avec plein de gens. On a essayé de surtout faire des groupes, en fait. Enfin, nous, surtout les pompiers, on a essayé de faire des groupes pour que les gens parlent entre eux, quoi. Enfin, histoire de... qu'ils se rassurent eux-mêmes, quoi. Parce que... Mais ça va, en vrai, en général, les gens étaient assez calmes, ça va. Bon, il y en avait forcément qui ne comprenaient pas forcément tout, mais en l'occurrence, là, c'était assez calme, quoi. L'atmosphère était similaire, il n'y a pas de panique. Ça a été pris en charge la panique n'a pas été submergée par les gens. Ils ont su garder leur calme et pas du tout de panique. Voilà. Je me serais attendue à plus de peur, plus de panique. Voilà, de l'inquiétude. Beaucoup de questions, mais surtout au niveau de leur famille, en fait. Est-ce qu'ils sont au courant ? Est-ce qu'on va rentrer ? Quand est-ce qu'on va rentrer ? Où est-ce qu'on est ? Voilà, je pense que c'est des petites questions comme ça, mais voilà, qui ont été répétées plusieurs fois. On a essayé de prendre des informations le plus possible. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur ça, mais en tout cas, voilà, ça a été quand même avec un moment intense, hein, enfin, en tout cas pour moi. Mais voilà, il y a eu pas mal... ça a été pris en charge très rapidement. Les personnes ont... Enfin, voilà. Ça a été le job a été fait, tout a été nickel, tout s'est fait très vite, les emplacements se sont faits très vite, les personnes ont été prises en charge très vite, et vraiment ça, pas le temps de réfléchir en fait, vraiment il n'y a pas eu d'attente, même nous on a voulu appeler le 18, qu'on les voyait déjà arriver, donc voilà. Donc non. Alors Léa. Et moi Charles. Charles. Et vous êtes serveuse, voilà, on est serveur au sein du polo. Je vais bien la récupérer si tu veux. Ça doit être l'avant-dernier. Ouais, c'est ça, on a fait nuit et après.